Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live, de nouveau sur les Aras Humid Kingdom. Donc si vous avez raté le live de tout à l'heure, j'ai fait une partie sur une des maps qui existe dans le mode standard, mais j'avais envie de tester un peu le mode défi. Donc du coup, on va pas reprendre la partie où on notait qu'on avait déjà pas mal avancé, mais qui n'est pas encore tout à fait terminée dans les objectifs. On va tenter les défis. Donc les défis, qu'est-ce que c'est? On va avoir un objectif normalement assez costaud, et il va falloir le réussir. Donc on va commencer par le premier, je pense. Les yaks avant tout. Allez, yaks avant tout, excellent. Alors, comment ça se passe? Alors, pause, du calme. Attendez une population de 300 yaks. Ah oui, 300 yaks. Alors 300 yaks. Alors du coup, juste pour voir, si je prends ma partie de tout à l'heure, j'avais combien de yaks? 140 yaks, d'accord. Donc il en faut largement 2 fois plus. Très bien. Et bah c'est parti, nouvelle partie, défi, les yaks avant tout. Alors ce qui est cool, c'est que franchement, malgré que le jeu soit quand même vachement beau et tout, les chargements sont tellement rapides. Alors après, vous me direz, on peut toujours dire qu'il n'y a pas grand-chose à charger, mais c'est tellement rapide. Alors, ok, donc visiblement, on va être vraiment sur cette façade-là. Là, on va pouvoir potentiellement faire un peu de poisson. C'est en bas qu'on a le plus de yaks et on n'a pas tant d'endroits. Hein. Là, c'est jaune ici, même si c'est au même niveau que le vert, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse nos yaks ici. 300 yaks. 4 yaks. Si on fait un petit élevage de yaks, on peut avoir 12 yaks en échange de 4 fourrages. Ok. Et niveau avalanche, bah on n'a pas d'avalanche. A priori c'est une map où on n'aura pas d'avalanche, il va falloir se concentrer sur la création de yaks. Bon. Du coup c'est parti. Donc je pense que notre objectif va être de faire un quartier avec principalement des habitants des plaines. Il faut le niveau de recherche 1 seulement pour ça. On va avoir besoin d'une académie, mais je pense que ça va pas forcément être la peine d'aller chercher beaucoup plus. C'est surtout nos habitants des plaines qui vont travailler. Et là j'ai vu, on a un bain. Excellent. Il faut avoir une rivière à proximité. Ok, très bien. Très bien, très bien. On va pouvoir aller chercher du poisson, mais c'est niveau 2, donc c'est pas une priorité. Donc du coup, ok, on est parti. On va se faire une rangée de maisons, là. Donc on va avoir besoin que de 2 cases. Est-ce que c'est une bonne idée? Je suis pas sûr. Ouais, si, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. On va essayer comme ça. Donc on va avoir besoin d'un quartier assez condensé autour de notre marché. Pour mettre de la pop, principalement. Hop. Des maisons. Des maisons, 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 une route, un petit hôtel, parfait, un petit hôtel, on va qu'il soit là, on va décaler ça d'1 case, un petit hôtel, parfait, tac tac tac. J'aime recevoir des pubs quand je lance un live, ça fait toujours plaisir. Donc là on couvre cette zone, il y a cette maison là qui est pas couverte, cette maison là qui est pas couverte, ces 2 maisons là en gros ne sont pas couvertes par nos petits hôtels. Mais on va faire avec. Il va nous falloir Des œufs, du tsampa. Alors on va pas faire de tsampa je pense, on peut l'éviter parce que ça prend beaucoup de place, on va avoir besoin de place pour nos champs à yak. Par contre du fromage ça colle tout à fait avec ce qu'on a besoin. Et des œufs, les œufs c'est pas très grand, on va en poser un là, l'envoyer là, on a déjà pas assez, ah, dommage. Dommage, dommage. On va poser une route là. Ouais, il faudrait encore de la nourriture ou alors des bains. Ok, on peut faire des bains directs. Pourquoi pas. Est-ce qu'on peut faire des petites maisons d'artisans? Alors de quoi avoir besoin de maisons d'artisans? Du fromage, des œufs. Ah, la maison d'artisan maintenant consommerait des œufs aussi, excellent. Éducation, un temple du sommet. Ah, on peut faire, on va pouvoir faire un temple du sommet. Et du coup, il mangerait des œufs aussi. Ok, donc on va faire du coup un quartier mixte. Parfait, ça me va tout à fait. Hop, 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 hop. Très bien. Là, du coup, c'est mort. Les routes. Tac. Tiens. Elles sont un peu plus petites. Ah oui, non, c'est qu'il y a l'hôtel là. Du coup, on va peut-être les déplacer. Même si je pense pas qu'on pourra mettre grand chose. Peut-être un petit peu d'ornement ou un truc du style dans le coin. Donc on a 32 artisans, 48 habitants des plaines. Ça va nous permettre de faire un bain. Alors le problème du bain, c'est sa portée. Parce qu'on est obligé de le faire là. Mais combien il faut pour... Enfin, comment ça se passe pour qu'on le distribue? Ouais, c'est ça, en fait, c'est hyper loin. Donc il faudrait que je fasse mon village par là, en fait. Si je veux faire du bain. Or, c'est quand même un moyen très simple de satisfaire des besoins. Donc il va falloir qu'on fasse du bain. Ok, donc ça veut dire qu'il faut qu'on décale tout ça là-bas. On peut pas décaler, donc on va relancer, c'est pas grave. On va partir, on va construire autour du bain en fait. On va faire le bain tout de suite. Ça va être notre priorité, le bain. On va le faire, je pense. Il faudrait qu'on optimise, donc il va falloir qu'on construise autour, donc il nous faut de la place, donc on va le faire comme ça. À côté, on va faire le marché. Alors le marché, on va faire les routes pour voir un peu ce que ça donne. Donc déjà, il va y avoir une route comme ça c'est certain. Et une route comme ça. Parfait. Donc, on va mettre pause parce que on va perdre de la thune avec nos artisans qui ne sont pas là. Donc le bain, il couvre quand même une belle zone. Hein. On va faire notre marché du coup. Ici. Et après, maison. Maison, maison. Maison, maison, maison. Et la route. Maison, maison. Route. Ici, maison, maison. Maison, maison. Maison, maison. Et le bain, il va quand même jusque là. Bah, heureusement pas ici, mais on va mettre autre chose du coup. Maison. Et là du coup, maison, maison. Maison, 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 maison. Et là on va mettre un hôtel. Un hôtel. Un hôtel. Un hôtel. Ok. On est pas mal. Déjà, ils ont tous besoin de bain. Maintenant, il va falloir qu'on fasse un petit peu de nourriture. Donc ça, on va faire des œufs. Il faut qu'ils soient pas trop loin. Probablement là et là. Hop. Ah mince, c'est trop loin déjà. Zut. C'est déjà trop loin. Si je les mets par là... Tac, tac, ok. J'ai amélioré ça et il nous faudrait encore un peu plus d'œufs. Faire un troisième. Ok, on est à portée. Excellent. Donc ces maisons-là, il leur faudrait juste un petit peu plus de nourriture. Donc on va commencer à faire du yak. Alors pour faire du yak, il va falloir qu'on optimise vraiment au taquet. Alors non, ce qu'on va faire tout de suite, c'est un bâtiment de trésorerie. Ah, on va pas chercher ces maisons-là si je le mets ici. Tant pis, on va ramasser un peu de sous, on va commencer à accumuler un peu de sous. Et on va aller chercher de quoi faire du fromage. Donc de quoi faire du fromage, il nous faut du yak. Comment on va pouvoir optimiser ce yak? Je pense que si on fait ici, 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 ici... En dessous, là... Bon, le plus bas qu'on peut faire, c'est ça. Voilà, là ça fait déjà... une bonne quantité de 20 yak déjà pour commencer, c'est pas si mal. Derrière, c'est là qu'on produit le plus de lait. Hein. Il nous faut 9 laits. Non, pardon, c'est 4 yak, ça produit 9 laits ça. Et ça, pour 6 laits, on fait 6 fromages. Ok. Donc là on est déjà un peu loin, donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire nos crèmeries ici. Là si je la mets là, elle est déjà trop loin. Ok, donc on va plutôt la mettre là. Il va nous falloir un petit truc qui distribue. On perd de l'argent. Attention. Voilà. Puff, puff. C'est parti. On upgrade tout ce qu'on peut upgrader. Ok. On est déjà pas mal. On a 80. 12 de fromage et 12 d'œufs pour 9,8. C'est pas dégueulasse. Franchement, c'est pas dégueulasse. Et salut à l'astre, hein, bienvenue sur le live, hein, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas bien. Alors toi tu nourris jusqu'où? Jusque là. Jusque là, et... ouais, vous faut que vous soyez assez proche pour pouvoir envoyer. Si je fais une route là qui va par là... Ça va jusque là, ouais. Donc c'est peut-être elle que je vais éloigner du coup. Vous, vous avez pas besoin d'être aussi proche. Alors attends, pourquoi? Toi tu peux... T'es trop loin pour envoyer jusque là-bas, c'est ça? T'es pas à portée. Je te mets genre par là pour que tu sois à portée. Ah oui, même là t'es pas tout à fait à portée, zut. Content d'avoir retrouvé la connexion. Ah bah ouais, carrément, à l'astre, il n'y a pas de... Il y a zéro débat là-dessus. La connexion, ça fait clairement plaisir. Voilà, donc l'objectif c'était de pouvoir avoir un maximum d'endroits où on va pouvoir poser des maisons de moines, parce qu'il va nous falloir quelques moines quand même. Même si ça ne sera pas parmi les priorités. Voilà, on peut en mettre encore 2 maisons là, mais je pense qu'on va mettre des maisons de mecs lambda. Je me suis pas foiré là? Ah non, j'ai pas la place, ok. Du coup, toi on va te déplacer là plutôt, là on va mettre une maison comme ça, hop hop, voilà, on a déjà 101 habitants des plaines de Rab. Parfait. Et ici on couvre tout ça, avec ça on couvre tout ça, cet hôtel là est pas couvert mais on va peut-être pouvoir compenser ça. Lui si je le mettais genre par exemple ici... Ah non, il est trop loin. Donc on va le laisser là. Hop, voilà. Ok, c'est pas mal. Là, on va pouvoir faire un grand champ de yak. Notre objectif est d'aller chercher le petit élevage de yak. Hein. Et de faire des champs d'orge qui font de la paille pour pouvoir les transformer en paille et après faire ce qu'il faut. Ok, très bien. Très bien, très bien. Ici on est parfait. Eux, il faudrait un petit peu plus d'illumination. Du coup, ce qui pourrait être pas mal, c'est qu'on fasse genre... Ah, on peut faire un hôtel à prière. Non, je suis con, c'est ce que j'ai fait. Il faudrait qu'on fasse un truc comme ça, juste là. Par contre, du coup, ça coûte une blinde. C'est 60 moines qu'il faut. Ok, donc il nous faut plus de moines. Alors du coup, plus de moines, on peut faire une maison de plus par là, une maison de plus par ici, une maison par là peut-être, on peut agrandir la route par là. Et par ici, enfin quoi qu'on n'aura pas besoin d'aller beaucoup plus loin, puisque là on va faire que du champ, donc non, pas besoin de faire plus. On va faire maison, maison, une maison là. Il nous faut plus 2. On va te mettre là, on va faire la route ici. Voilà. On va faire une route comme ça, pour pouvoir ici mettre des bâtiments un peu plus grands, et potentiellement des maisons. Donc là on a 44 moines, il nous en faut 60. Et ici, ils ont pas ce qu'il faut, parce qu'il nous faut plus de fromage. Alors plus de fromage, normalement on peut... On doit avoir du surplus là, ouais, on peut faire une fromagerie de plus encore. La question étant de faire une fromagerie à portée. Une fromagerie à portée. Genre par là, là ce serait trop loin. Là on pourrait. Ah mais on n'est pas à portée de ça, ça marche pas du coup. Zout. Ici peut-être plutôt. C'est trop loin, c'est trop loin. Une case. Toi, tu vas jusqu'où? Tu vas pas si loin, en fait. Hein. C'est un peu le problème. En fait, il faudrait peut-être que je fasse ça différemment. Ouais, on va faire ça différemment. On va faire une route. Par ici. Toi. Tu vas aller là. On va mettre nos fromageries ici. Et on va mettre un petit... Ah non merde, il me faut un de recherche pour ça, ça marche pas. Ah j'avais oublié. Il nous faut de la recherche, ok. On va se détendre. Toi du coup, on va te mettre là pour le moment. On bougera plus tard, on va faire le petit bout de route qu'il faut. Et du coup toi... Voilà, tu peux pas amener jusque là, merde. Donc ça veut dire qu'on inverse. La maison, on la met là. Toi, on te met là. Toi, on te met ici. Et donc toi, t'envoies là. Comment ça t'es pas à portée? Ah, il faut que tu sois une case plus loin. Voilà. Et toi, c'est quoi le problème? Tu reçois pas de biens. On envoie là, ok, donc niveau fromage c'est bon. On regagne des sous, donc on est parti. Il nous faut plus 2. Plus 2, un petit peu d'élevage de poulet supplémentaire, on va en faire un. Pourquoi pas un là, un là. On est juste à portée, c'est nickel. Toi tu vas couvrir jusqu'ici, donc on va pouvoir faire de la maison de moine. Ok, on a 56 moines, il en faut 60. Il faudra éventuellement améliorer une maison si je fais ça. Ça leur apporte pas ce qu'il faut du coup. Ils n'ont pas suffisamment d'illumination. Les niveaux 1 là. Ouais, ils sont trop loin les niveaux 1. On pourrait mettre un petit hôtel à prière ici. Ça suffit pas. Parce que du coup, on amène de l'éducation à eux. Ça amène quand même 2 cases, hein, l'éducation, c'est pas si mal. Et là, du coup, on a notre niveau de recherche 1, donc on peut commencer à faire de l'élevage d'oyak. Et aussi, c'était quoi l'autre truc qui était bloqué? Que je pouvais pas faire niveau 1. Ah oui, c'était ça. Donc ça, ça veut dire que maintenant, on peut vraiment améliorer ça. Donc on va remettre ça là, du coup, s'il vous plaît. Venez là. Venez ici. Ici. Là, on peut faire, du coup, un truc comme ça. On va le mettre là. Donc toi, du coup... t'en voilà, toi, t'en voilà, toi, t'en voilà, et toi, t'en voilà. Voilà, et comme ça on libère de la place pour mettre de la maison là. Par exemple, il nous faudrait une petite maison d'artisan en plus, et une petite maison de moine en plus. Voilà, et moi, hop là. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et resquash. Le Népalais et ses Sherpas. Ouais, c'est un peu de ça, ouais. Est-ce qu'ils font de la bière, mes moines? Alors, on peut faire de la bière, mais je crois que c'est les artisans qu'on font. Enfin, il faut faire plein de choses. Il faut un peu d'habitants des plaines, un peu d'habitants des plaines, un peu d'habitants des plaines, un peu d'artisans et un peu d'artisans. La bière, c'est plutôt des artisans. Alors, l'objectif, ça va être d'aller chercher cette zone. C'est parti. Hop. La petite route qui manque. Alors on gagne des sous, donc on va remplir un peu nos stocks. Et donc ici, on va vouloir faire des champs d'orge. Donc dans cette zone, là c'est gris, hein, donc ils font 4 de paille ici, c'est parfait. Et là c'est jaune. On ira chercher pour les apiculteurs cette zone-là. Donc des champs d'orge. Alors les champs d'orge, est-ce qu'ils se fusionnent? Ils se fusionnent, parfait. On va pouvoir en mettre du coup deux comme ça, puis passer la route au milieu. Voilà. C'est pas un moulin qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est de la paille. De la paille, de la paille. Donc du séchoir à paille. Il nous faut des habitants des plaines. Oh, c'est pas gros. Excellent, on va pouvoir en mettre plein. Alors du coup, là on produit 4 de paille. Ah, donc ça c'est bien de la zone intermédiaire. Alors attendez. Le séchoir, le truc, le champ d'orge. Si c'est ça, c'est le maximum. 4, ok, c'est ça. Et vous, il en faut 4. Donc il faut un séchoir à paille par champ. Ok, c'est noté. Hop. Alors là on va plutôt faire une route du coup. Et même, je pense qu'on peut bouger celui-là d'une case pour faire une route vers le bas. Et en rajouter un autre. Ouais, hop, voilà. Donc c'est parti. Toi t'en voilà, toi t'en voilà, toi t'en voilà, toi t'en voilà. Très bien, là on a déjà une belle production de paille. Après, petit élevage de yak, c'est 4 de paille. Ça, ça produit 4 de paille. Donc on peut déjà faire 4 élevages de yak là. Et ces trucs-là, l'élevage de yak, on peut le poser n'importe où. On peut le poser n'importe où. Du coup, ça fait quoi comme taille? Ici, ça serait pas mal, éventuellement. Peut-être même, pourquoi pas là. Donc là, il va nous falloir un comptoir. On va mettre central, parce que probablement qu'on fera la même chose de l'autre côté. Un petit comptoir, je perds de l'argent, 2 secondes. Hop, et toi du coup, ici, toi tu vas jusqu'où? Tu peux aller jusque là, donc on pourrait faire des maisons là. On va poser une petite maison d'artisan ici, une autre là, voilà, comme ça on récupère nos ressources. Cet hôtel il m'emmerde un peu niveau route. On va le mettre là et on va faire une route, voilà. Eh bien, et donc ici il nous faudrait un bâtiment pour récupérer ça. Donc alors du coup on va changer ça. On va faire ça, ça, Et là, du coup, on va pouvoir poser un truc comme ça. Voilà. Ah, mais c'est pas sûr qu'il va pouvoir aller là, du coup. On va voir. Est-ce que si j'envoie ça là, je peux envoyer là? Non, c'est pas à portée. Ouais. Parce que du coup, il faut qu'il fasse tout le tour par là. Bah du coup, on va compenser. On va faire une route ici. Et du coup, on va faire une route plutôt comme ça. Et comme ça. Voilà. Et du coup maintenant tu peux envoyer tout ça. On passe à 68 yaks. C'est pas mal, 68 yaks. Par contre il nous faut plein d'artisans. Plein d'artisans. On va étendre notre route ici jusque là. Et toi tu peux aller jusqu'ici. Parfait. Donc artisans. Et eux, ils sont pas contents parce que... aucun marché à proximité. Ah zut, on est trop loin. Donc oui, non. Toi, du coup, tu reviens là. Et toi, on va plutôt te bouger ici. Voilà. Ici, niveau dons, on a 244 dons qu'on récolte pas. Ah oui, effectivement. Donc on va poser un autre truc à dons ici. Parfait. Donc là on a un petit trou, on pourra mettre quelque chose, un truc qui distribue de l'encens ou quelque chose dans ce goût là. On peut faire de la maison par là-bas, mais c'est pas utile. Donc là on gagne des sous, on va refaire un peu nos stocks. On a 59 yaks. Ça tourne à fond. Donc là du coup c'est de l'élevage de yaks en batterie quoi. Ça change du champ où on joue au ballon avec les petits yaks. Mais bon. Le défi étant ce qu'il est. Pas trop le choix pour le moment. Donc ça va certainement changer parce que l'idéal, ça serait qu'on fasse ce truc là central qui distribue à tous les trucs autour. Pour qu'on ait qu'un seul comptoir qu'on voit tout en bas. Ça demande des habitants des plaines et ça demande pas mal d'artisans. Ok. Très bien. C'est cool hein, parce qu'on les voit venir avec leurs petites pailles là. Le jeu est franchement hyper sympa. Hein. Très honnêtement. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ok, bon, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Il va nous falloir plus de monde. Pour avoir plus de monde, il nous faudrait... du miel. Du miel, il va être optimal par là, le miel. On va aller chercher cette zone. On a du cuivre en plus. Ça va nous permettre de travailler. Là, on va longer. Voilà. Et donc ici, on va pouvoir faire du miel. Aller au plus bas. On va en faire 3 pour commencer. Et il va nous falloir un comptoir. Hop, hop, hop. Et on envoie ça tout là-bas. Voilà. Et donc du coup là il nous faut de l'artisan. On va pouvoir mettre à jour quelques maisons. Mais c'est pas des maisons d'artisans qui met à jour là. Il leur faudrait de l'ornement. Alors qu'est-ce qu'on a comme ornement ? Un petit taupier ornemental là, voilà, toc toc toc, déjà on compense un peu. Pot de fleurs, on peut le mettre là, mais il faut qu'il ait accès à une route. Ah, c'est chaud ça. Ça marche pas du coup. Les ustensiles, ça remplit qu'une case à chaque fois, donc c'est pas forcément... hyper utile en vrai. Bon, on va optimiser un peu en faisant des trucs un peu bizarres avec nos routes, mais c'est pas grave. Hop, ça va nous permettre de poser un petit ornement. Alors l'arbre il coûte 1, mais du coup si on le met pas, on pourrait le mettre par contre par ici, voilà, dans le trou de l'hôtel. Là on peut pas le mettre dans le trou de l'hôtel, mais on peut mettre juste un petit arbre là, ça fait le taf pour eux. Pourquoi qu'ils s'en branlent de l'ornement eux en fait. Donc c'est pas très utile. C'est pas très utile. Ce qu'il faudrait qu'on fasse éventuellement, c'est qu'on déplace ces trucs à eux un peu plus loin. Pour débloquer de la place pour des maisons. Donc on va faire ça. Petit comptoir. Du coup, hop, t'en voilà. T'en voilà. T'en voilà. Toi aussi. T'es pas à portée là, sérieusement. Une route du coup. Voilà, et toi, t'envoies là-bas. Voilà, parfait. Et donc là, on va pouvoir se faire quelques maisons. Et en plus, c'est fait que 3 de large, donc on devrait avoir la possibilité de mettre un peu de monde. On va jusque là-haut, c'est pas si mal. En termes d'eau, le poisson c'est à 2, je pense pas qu'on ira chercher 2 sauf s'il y a vraiment un besoin. Pareil là c'est pas hyper optimal parce qu'ils s'en branlent de l'ornement. Ah mais eux ça les intéresse l'ornement par contre, tiens. Celui-là, ah non c'est pas qu'ils s'en branlent, c'est qu'ils ont déjà ce qu'il faut. Du coup eux ils ont ce qu'il faut, pourquoi? Parce que j'ai mis ça, ok. Une petite fontaine, voilà parfait, on gagne encore un peu de troupes. Il nous manque un truc d'artisan, est-ce qu'on n'a pas une maison? Tiens toi. Ah oui, on n'a plus accès au bain ici. Le bain il couvre jusque là. Du coup si on met des maisons là, ça serait tout à fait rentable. Voilà, on est bien. On est bien. Dont on collecté 64, ça va. Ici, il faudrait un petit peu plus de miel. Et ben, on va faire un peu plus de miel. Oui. Hop, on va sécuriser la production une bonne fois pour toutes. Ça, c'est bon. Ok, il est temps de faire un peu plus de yak du coup. Donc ce qu'on va faire, c'est une route comme ça, une route comme ça. Et on va pouvoir faire des champs d'orge. Toc, ici, 1, 2, 4 là. On va déplacer. Parfait. Et donc pour chaque champ, il nous faut un truc comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, on lui mettra une en route. Et 5, et on verra pour la suite. Toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas ici, toi tu vas ici, toi tu vas ici. Toi t'envoies là, 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 là et là. Et donc là du coup on a un gros surplus qui devrait arriver. Ou non, c'est le comptoir qui garde le surplus. Ouais, on a 16 de surplus. Donc il va être temps de modifier cet endroit. On va vouloir faire un truc central, avec ça au centre. Avec des routes tout autour. Hop là. On va voir que cette route-là arrive là. Voilà. Et donc... ça c'est pas hyper optimal comme en route. Dégager ça, voilà. Et donc du coup, toi t'as un potentiel de 32 et ça consomme 4. On peut en faire encore 16. Tac, tac, tac. C'est là, là et petit élevage d'oyak. Ça c'est pas à portée. Ah oui, parce que la route va pas jusqu'au bout là. Voilà. 32. Et on manque d'artisans. On manque d'artisans. On peut faire une petite maison peut-être d'artisans juste ici, à cette place. Parfait. Ah non, il n'y a pas assez de place parce qu'il y a ça qui fait chier. Voilà. Hop. 2 artisans, il nous manque. Ici, on pourrait mettre une petite maison. Voilà. Ok. Bon, on a déjà 116 diacs. C'est pas mal. On progresse. On progresse, on progresse. Il nous faut plus de paille. Donc ici, on pourrait mettre quoi? Combien de trucs encore? Un petit paquet quand même, hein. Même un autre là. Donc on a assez pour... Non, là, il n'y a pas du tout de route. Merde, ça marche pas, ça. Du coup, il faudrait qu'on décale cela. Mais si on décale cela, on peut pas rejoindre celui-là. Décale-toi. Décale-toi. On fait une route. Ok, donc on a de quoi faire 3. Donc il nous faudrait 3 champs supplémentaires. Au minimum 3 champs supplémentaires. Faire 4. Est-ce qu'on est assez proche là? Non. Donc il va falloir qu'on inverse. Là, tu vas envoyer plutôt par là-bas. Comme ça, lui, il est à portée de celui-là. Toi, tu vas envoyer là. Toi, tu vas envoyer là. Et vous, vous recevez pas de bien, et ben go, vas-y, toi envoie là. Toi tu peux envoyer là. Ah et toi t'es plus à portée de ça. Ah. Ça c'est pas cool. Ça c'est ballot même je dirais. Extrêmement ballot. Bon ça se fait que t'étais à portée tout à l'heure. J'ai rien changé à la route de ce côté-là. Est-ce que là ça rentre là? Et on pourra en mettre 2 là, il faudrait juste amener une route. Ouais, on pourra pas amener ce qu'il faut comme route pour 2 trucs de toute façon. Décaler cela d'une case pour faire passer la route. Ah toi tu peux pas être décalé, c'est pas très grave. Toi t'essaies d'envoyer jusque là et du coup tu peux plus, mais tu peux envoyer jusque là. Donc toi t'es couvert par ce champ là. Et ce champ là il peut envoyer jusqu'ici, donc on va envoyer là. Là, et toi tu vas envoyer là. Ok. Toi du coup t'envoies là. Et on est trop loin pour envoyer sur ce truc là, donc il faudrait qu'on le mette par là. Mais ça fait un peu chier. Comment on pourrait faire? Comment on pourrait faire pour optimiser ça? Alors si, ce qu'on peut faire déjà, c'est l'approcher. Parce que ça, c'est un grand champ, donc il a besoin d'un seul accès à la route. Là déjà, voilà, on peut envoyer là. Toi, du coup, si genre je dégage cette route et que je te mets là... Vas-y, bouge. Ici. On est à une case. On est à une case. C'est embêtant. Est-ce qu'on peut gagner cette case? Je vois pas bien comment à première vue. Si je te mets genre là, et que je passe par ici, c'est pire, ouais, forcément, c'est pire. Faudrait qu'on passe par une autre route en bas, mais du coup, ça veut dire... ça veut dire que c'est un petit peu trop chiant. « 6, 7, 8, 9, ouais, ok. » Non, c'est vraiment trop long, là. Bon, notre pattern ici n'est pas optimal, visiblement. Là, il n'y a pas la place. Oui, je sais ce que je peux faire. Ici, je peux gagner de la place. Je peux décaler celui-là d'une case, faire passer la route là. Et là, normalement, je suis à portée. Excellent. Et on a 20. Donc, avec 20. Regarde ça. Tac, tac. On manque d'artisans. Oui, parce qu'on a besoin d'artisans, mais pour transporter les biens, en fait. C'est ça qui nous gêne le plus. Ouais, est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher ça? Le tissu, ça serait l'idéal, parce que le tissu, on fait de la laine avec nos champs, là. Non, avec nos... Je sais plus quoi, avec nos étables. Elles sont nos étables. Il y a un truc qui fait de la laine quelque part. Un truc qui fait du fromage, là, je sais plus où je l'ai mis, voilà, là. Bon, on fait pas grand chose en laine en même temps, on en fait que 2. C'est pas ouf. On gagne des sous, donc on va enlever la pause, même si ça on gagne pas trop de sous. On a encore 12 de surplus, hein. Donc là de toute façon on n'a plus beaucoup d'habitants des plaines et plus beaucoup d'artisans. Donc il faut qu'on augmente. Pour augmenter il faudrait qu'on fasse du tsampa, ce qui est chiant, de l'éducation, un temple du sommet, un mandala éventuellement. Non, il faut de la nourriture. Sauf si on va chercher le niveau 2 de recherche. Au niveau 2 de recherche, il nous débloquerait le gong, il nous débloquerait le poisson, sinon il faut faire du tsampa. Alors là, on en fait quand même, hein. On pourrait fabriquer du tsampa. Le tsampa... 24 orges, ça fait 12 tsampa. Là, on fait que 2 d'orge. C'est pas dingo, hein. On pourrait faire un petit peu d'orge, genre dans ce coin-là. Un peu plus d'orge efficace. Ah, il y a un temps limité? J'avais pas vu. Merde. Alors attendez, comment ça il y a un temps? Ça avance ce village tibétain. Un petit peu, mais on vient de perdre là. Hein. J'ai pas compris pourquoi j'ai perdu. Ah mais d'accord, en fait ça c'est le temps restant. Je pensais que c'était la jauge de yak qui se remplissait, mais non, c'est le temps restant. Ah bah oui, bah faut carrément utiliser beaucoup plus la pause. Ah, c'est dur les défis. En fait on a un temps limité, d'accord. Moi j'y allais pépouze, mais pas du tout. Pas du tout. Ah ouais, en fait on est carrément en déj de temps. D'accord. Bon bah du coup, c'est raté pour ce défi. Je pense que vu le temps qu'on a perdu là, c'est mort. On va pas pouvoir faire mieux. Il faudra le refaire de zéro. Donc on va arrêter l'épisode de VOD là. C'est déjà une belle VOD, désolé pour ceux qui regardent la VOD et qui voient l'échec du défi, et bah on va peut-être tester un autre défi. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le moment, et après on choisira un autre défi ensemble. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde!